Hello Tingu, c'est Sam du blog samandrama.fr. Alors comme je vous le disais dans ma précédente vidéo sur Battle Royale, j'ai tourné celle-ci et Battle Royale le même jour parce que j'avais un petit peu de temps, donc je n'ai pas changé de tenue, j'ai juste mis des oreilles de chat. Bref, cette fois-ci je vous parle d'un film que j'ai trouvé vraiment très cool. C'est Midnight Runner, vous en avez peut-être entendu parler, c'est un de films qui est sorti en août 2017 et qui a un super casting. En effet, on retrouve Park Seo-joon, vous l'avez forcément croisé dans Hwarang, Fight for My Way, ou encore She Was Pretty, Kimi Helmi, donc vraiment c'est un acteur qu'on ne présente plus. Quant à Kang Hanul, on l'a vu tout récemment dans Moon Lover, et personnellement je l'avais découvert dans The Heroes. Donc voilà, très très contente de voir ces deux acteurs réunis ensemble, donc c'est vraiment personnellement ce qui m'a poussée à voir le film, hein, je vous le cache pas, quand j'ai vu les deux en tête d'affiche, j'ai dit « On fonce !» Avec Midnight Runner, on va suivre deux étudiants à l'école de police qui est en fait un sport de permission, c'est à Noël. Ils vont assister à un kidnapping en fait et ils vont tout faire pour essayer de retrouver bah, justement cette victime. Le film est clairement une critique du système entre manque de moyens humains, entre surcharge d'affaires et entre zones rouges. Vous savez, les zones où en fait la police ne va même plus parce que ça craint tellement que, enfin, ils savent que s'ils vont, ils vont se faire égorger donc ils n'y vont plus. Nos personnages principaux, même s'ils sont pas originaux, enfin, on a quand même, enfin, on a Park Seo-joon qui interprète un sportif courageux au grand cœur et Kang Hanul qui lui est l'intello, vous savez, qui a pas beaucoup de tact mais qui a une mémoire super, super extraordinaire. Et ils se complètent et ils sont hyper attachants. Franchement, ils crèvent l'écran avec leur complicité. Franchement, c'était un vrai, vrai, vrai bonheur de suivre ce petit duo. Et du coup, ouais, on prend vraiment beaucoup de plaisir à regarder le film. Tout s'enchaîne très, très vite. Il y a des super scènes de combat. Je dirais qu'entre humour, action, bon sentiment, c'est un film à mettre entre toutes les mains. Je crois qu'il est quand même interdit aux moins de 15 ans parce qu'il est quand même à des moments assez violents, mais franchement, ça va. Donc voilà, c'est un film que je vous conseille pour toutes ces raisons, parce qu'on passe un bon moment devant. Franchement, c'est le genre de film que j'apprécie vraiment regarder. Et vous allez découvrir une super amitié et plein d'action. Donc voilà, si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé. Dites-moi également si je vous ai donné envie de le regarder, si c'est pas le cas. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Popo, salamier!